Correction de la question 27 du CEAD 2020 que les élèves ont fait en 2021. On vous montre un exemple. On vous dit 7, 2, 9. L'exemple montre que pour avoir le nombre de la brique au-dessus des deux autres briques, il faut additionner ces deux-ci. 7 plus 2 égale 9. Détermine les nombres manquants dans la deuxième pyramide en te basant sur l'exemple ci-dessus. Donc voici la deuxième pyramide. Certains ont fait par essai-erreur et ont fini par trouver la bonne réponse. Exemple, on écrit n'importe quoi ici, par exemple 2. 5 plus 2, ça fait 7. 2 plus 4, ça fait 6. 6 plus 7, ça ne fait pas 21, donc ce n'est pas 2. Et en comptant, comme ça, on finit par trouver la bonne réponse. Ou alors, on utilise la mise en équation. Si je dis que je cherche ce nombre-ci, je vais appeler ce nombre-ci x. Et comme sur l'exemple ici, le nombre ici, c'est l'addition de 5 et de x. Donc là, c'est 5 plus x. Et le nombre d'ici, c'est l'addition de x et 4. Donc c'est x plus 4. 21, lui, c'est ceci plus ceci. On vient de trouver l'équation. 5 plus x plus x plus 4 égale 21. Maintenant, on résout l'équation. On recopie le égal, on recopie le 21. X plus x, 2x plus 5. Change de membre, donc devient moins 5, plus 4, devient moins 4. On n'oublie pas les petits signes ici devant. 2x est égal à 21 moins 5. Ça fait 16 moins 4, 12. 12. X égale 12. Sur 2, x égale 6. On remonte dans la pyramide. Donc ici, le nombre que l'on cherche, c'est x, donc c'est 6. Ici, 5 plus 6, c'est 11. Et 6 plus 4, c'est 10. Pour avoir les points, il fallait juste avoir noté 6, 11 et 10. Suite de la correction dans les prochaines vidéos.